C'est parti. Ça fait 6 mois qu'on existe, 85 licenciés, ce qui est pas mal pour une première année, avec des équipes de jeunes présentes en compétition U11, U13, U17, U19. Certains ont la coupe plus le championnat, d'autres n'ont que la coupe à l'heure actuelle. Deux équipes seniors, senior B en DHR, principalement composées de joueurs nés en 98-97. Et l'équipe leader de leur groupe actuellement, les seniors A, championnat de division d'honneur, futsal élite, actuellement dauphin de Knutange Futsal. Et on lutte à 4 journées de la fin, on lutte pour finir premier et pourquoi pas participer au play-off pour l'accession en D2. Il faut savoir que durant les vacances scolaires, on propose toujours des stages de futsal. Ça fait, c'est la deuxième année qu'on fait ça. Nous avons réussi à fidéliser un public qui vient régulièrement, qui ne raterait pour rien au monde ce stage. Donc les enfants arrivent à 9h du matin et on les libère à 17h. C'est des séances de futsal le matin sur une thématique et l'après-midi c'est plus une formule tournoi où on remet on va dire sur le terrain ce qu'on a vu le matin. Donc voilà, le stage c'est du lundi au vendredi. Oui, mieux que ça. On va venir. Remettez en place. Oui. Remets en place, Emmy. Maîtriser, Alex, sans ballon. Les objectifs, puisqu'ils sont, ils sont divers, à court terme, court, moyen terme, c'est d'avoir l'équipe première en D2. C'est vraiment un objectif prononcé. Sur l'école de futsal, je le mets en avant, nous sommes la seule équipe en Lorraine, parmi les équipes répertoriées en DH ou en DHR, à présenter des équipes de jeunes et avoir une école de futsal, ce dont on est très très fiers. Sans l'école de futsal, pour moi, il n'y aurait pas de cette notion de club. On essaye de travailler avec des clubs pour qu'ils mettent en place justement des écoles de futsal, qui engagent des équipes en senior, en DH, en DHR. Il y a des formations qui s'adressent également aux entraîneurs, que ce soit le futsal base, qui est plus sur de la découverte, le futsal perfectionnement qui s'adresse plus aux entraîneurs de DH, de DHR, et sur le plan national, le futsal performance, le certificat futsal performance dont je fais partie cette année, c'est plus pour le haut niveau D1, D2. C'est une discipline à part, c'est vraiment différent du football en extérieur. C'est beaucoup plus technique, c'est plus tactique, c'est très très physique et c'est super sympa. Il y a un réel potentiel à la fois dans notre ligue et dans notre pays et j'en suis sûr que le futsal à l'avenir va prendre une place vraiment importante et qu'on va arriver au devant de la scène, j'en suis persuadé.